dimanche 22 juillet, deuxième journée de ce Tour d'Auvergne 2017 et deuxième étape qui s'annonce aujourd'hui entre Rion et Châtel-Guyon, deux villes distantes normalement de 6 km. Et pourtant, c'est l'ensemble du Puy-de-Dôme qui va être traversé tout au long de cette journée avec une étape de 170 km, trois ascensions, dont le col de la Croix-Mauran qui sera le toit de ce Tour d'Auvergne. Les derniers préparatifs sont en train de se mettre en place sur la ligne de départ du côté de Rion. À Châtel-Guyon, tout est déjà prêt pour accueillir l'ensemble de cet événement avec en particulier la Coupe de France féminine, le Tour d'Auvergne féminin qui se déroule depuis hier. Et pour nous en parler, on reçoit Jacques Dupré, directeur de cette course du Tour d'Auvergne. Jacques, bonjour. Bonjour. Jacques, on le disait, deuxième journée exceptionnelle pour ce Tour d'Auvergne. Il y aura des filles, il y aura des garçons. Bref, le vélo, ça va être un point central aujourd'hui du côté de Châtel-Guyon. Oui, comme tous les ans, on doit tirer un grand coup de chapeau à cette ville de Châtel-Guyon. Hier, j'étais présent donc lors de la remise des récompenses pour la première étape de cette Coupe de France féminine et j'interrogeais quelques directeurs sportifs qui étaient tout à fait ravis d'être à Châtel-Guyon, de revenir à Châtel-Guyon et ils espèrent simplement que dans les années futures, ils reviendront à Châtel-Guyon. Et on le sait, c'est l'élite des féminines dans cette catégorie d'âge qui sont présentes. Elles préparent d'autres grands événements, des championnats de France. On les retrouvera un jour dans les pelotons professionnels, ces demoiselles. Oh oui, certainement. Hier, la jeune demoiselle qui a gagné, qui a remporté le maillot jaune, c'est une jeune qui a fait des exploits en VTT et qui se met un petit peu à la route. Et surtout, on retiendra celle qui a fait, je crois, troisième de cette étape, puisque c'est une jeune minime qui s'est permis de battre des demoiselles plus âgées qu'elle. Et je crois que la semaine prochaine, je crois que les championnats de France de l'avenir qui se déroulent à Saint-Amand-Montrond, je crois que ces jeunes filles, on va les retrouver, bien sûr, sur le podium, j'en suis sûr. Et on va évoquer, bien sûr, aussi la deuxième étape de ce Tour d'Auvergne masculin. On le disait, trois ascensions, le col de la Croix-Mauran qui sera le juge de paix d'une certaine façon, bien que dans le final, il y aura là aussi la côte de Loubéras, pas forcément classée au classement des grimpeurs, mais qui aura aussi son influence, bien évidemment. On va en prendre plein les yeux sur le plan sportif, on va en prendre plein les yeux aussi sur le plan paysage. C'est une étape magnifique qui s'annonce. Effectivement, je crois que depuis 8 ans que nous faisons le Tour d'Auvergne, je crois que c'est une des étapes où on va retrouver l'ensemble des monts du Sancy, avec, comme vous le disiez tout à l'heure, le col de la Croix-Mauran, qui est un col relativement mythique. Et cette étape donc de 170 km, finale explosive avec cette fameuse côte qui n'est pas répertoriée, mais qui au bout de 170 km, je pense qu'elle sera répertoriée dans le mental des coureurs. C'est une étape en tout cas qu'on aura le plaisir de suivre tout au long de cette journée bien évidemment. Du côté de Jacques Dupré, ce sera dans sa voiture de directeur de course et au sifflet, comme toujours, qu'il nous guidera tout au long de cet après-midi.
voiture maintenant. Nous sommes à un peu plus de 30 minutes du dénouement de ce Tour d'Auvergne. Ah, ça va très vite. On va retrouver donc dans quelques instants le duo de tête dans cette dernière ligne droite. Dernier écart confirmé, 20 secondes pour le duo qui va apparaître à un peu plus de 300 mètres de nous. Quelle finale exceptionnelle aujourd'hui sur les routes du Tour d'Auvergne. Ils sont sortis à 40 km de l'arrivée, écart monté à 40 secondes, et ils font mieux que résister maintenant. La voiture Vitac est passée devant, ce qui veut dire que l'écart est bien inférieur à 30 secondes. Et nous allons retrouver les deux hommes en visuel d'ici quelques instants. Les voici, Florent Pereira avec le maillot rouge et noir, Benoît Cosnefroy avec le maillot du Chambéry Cyclisme Formation, à l'innovation du public auvergnat. Les deux hommes en train de tout donner maintenant. À 20 km de l'arrivée, Pereira emmène Cosnefroy dans la roue. La cloche maintenant pour annoncer les 20 derniers kilomètres avec Florent Pereira. Le regard déterminé maintenant pour le coureur du team Primo Nicolas Roux qui emmène derrière le peloton maillot jaune avec une vingtaine de secondes de retard. Et il y a toujours la présence des coureurs des Côtes d'Armor, la présence également de Frédéric Brun qui est en train de se sacrifier bien entendu pour son maillot jaune. Voilà donc les positions établies désormais donc dans ce final. La fée donc qui n'a plus que Frédéric Brun à ses côtés, mais la formation de Fabien Schmitt et des Côtes d'Armor Marie Morin qui a décidé de peser dans le final. À Julien, tout est possible désormais dans ces derniers kilomètres. La détermination de Florent Pereira, de Benoît Cosnefroy au passage sur les lignes. Est-ce que cela suffira à repousser le peloton? On va essayer de suivre maintenant, minute par minute, l'ascension vers Loubéra où tout va se jouer dans le final de ce Tour d'Auvergne 2017. Une poignée de secondes d'avance pour Pereira et Cosnefroy à 20 km de l'arrivée. Guérin à l'arrière, est-ce que Fabien Schmitt va faire le doublé? Toujours Fabien Schmitt en première position, Guillonnet en deuxième, à Fabien Schmitt qui va lever les bras. Victoire et générale pour le coureur des Côtes d'Armor Marie Morin. Deuxième place pour Guillonnet, troisième place pour Guérin. À quelle facilité du coureur de Colmar donc qui s'impose le doublé, donc la victoire d'étape et le classement général pour le coureur des Côtes d'Armor Marie Morin. On savait que Florian Kamm avait beaucoup donné dans la dernière ascension pour préparer l'offensive de son leader. Et nous allons retrouver dans quelques instants le peloton maillot jaune à Victor Lafay qui aura rendu les armes dans les tout derniers kilomètres de ce Tour d'Auvergne. On pourra saluer l'opiniâtreté du coureur bressant qui va réaliser malgré tout un superbe Tour d'Auvergne. Victoire d'étape hier, une belle place au classement général. Il aura défendu jusqu'au bout son maillot jaune. Donc victoire pour Fabien Schmitt, deuxième place pour Guillonnet, troisième place pour Guérin. On aura le classement complet dans quelques minutes. On est sorti, je le disais, de l'arrière pour venir chercher une place d'honneur. Voilà, regardez, le champion du monde et champion de France, Samuel Plouinet, qui vient chercher une belle quatrième place. L'un des plus beaux palmarès du cyclisme amateur français. Le sprint du peloton maintenant pour la place de cinquième. Le maillot jaune est là. On a également Florent Pereira qui sera devancé pour le sprint. Sprint qui est réglé par les coureurs de Sojasun, puisque nous avions Emmanuel Morin, cinquième, la sixième place pour Florent Pereira et une place d'honneur également pour Victor Lafay. Voilà, donc on va demander à Fabien Schmitt, le vainqueur d'étape, de venir nous rejoindre sur l'avant du podium. Voilà celui qui a été, nous le disions, professionnel. Voilà, il a réalisé un mois de juillet tout à fait exceptionnel. Il était sur la plus haute marche du podium le week-end dernier sur une manche de Coupe de France. Donc victoire d'étape pour Fabien Schmitt qu'on retrouvera ensuite à l'interview dans la deuxième partie de ce protocole. Donc on va le laisser d'abord savourer cette victoire d'étape. Le bouquet remis donc au vainqueur du jour qui aura attendu son heure du côté de Loubéra pour faire la décision, le break avec Victor Lafay. On va d'ailleurs saluer le coureur bressant qui a rendu les armes seulement dans les tout derniers kilomètres. Voilà donc le vainqueur de l'étape de Châtel-Guyon sur le podium de ce Tour d'Auvergne. Voilà donc le coureur natif de Colmar qui brille sous le maillot des Côtes d'Armor Cyclisme Marie Morin, vainqueur d'étape aujourd'hui
sur ce Tour d'Auvergne 2017. On peut saluer et applaudir le lauréat du jour. Et nous allons ensuite enchaîner avec les maillots distinctifs qui vont être remis. Donc on est d'accord, Jacques, on va commencer par le maillot de la montagne. On est d'accord, Jacques, on commence par le maillot de la montagne. Et c'est Aurélien Doléato qui va venir nous rejoindre. Natif d'Ambérieu, Bugey, il a brillé déjà en Auvergne sur les monts du Livradois cette saison. Il avait également brillé chez les jeunes du côté du Val-Romais. On va le retrouver donc dans quelques instants sur l'avant de la scène. Lui qui avait débuté par le basket dans son plus jeune âge, qui avait, on le disait, brillé sur un National Junior. Voilà, Aurélien Doléato sur le podium, coureur du Chambéry Cyclisme Formation, qui va recevoir le maillot du classement de la montagne aux couleurs de la ville de Montluçon. Voilà donc Aurélien qui aura réalisé un superbe Tour d'Auvergne. Il aura été présent hier à l'avant de la course, présent encore aujourd'hui pour aller marquer un maximum de points, notamment dans le début de l'étape. Il aura gardé deux points, deux petits points d'avance au classement. Nous allons avoir Monsieur Perronin avec la peluche Skoda, donc Alizé Automobile, pour le vainqueur de ce classement de la montagne, qui va nous donner ses impressions sur le Tour d'Auvergne. Il nous parlait bien entendu de la suite de sa saison, car il y a de belles choses qui l'attendent. Voilà, on salue le coureur de Chambéry, vainqueur du classement de la montagne. Aurélien, ce n'était pas gagné ce matin au départ de Rion. Il y avait de nombreux points à aller chercher, ces choses faites. Bah, d'accord, on voulait aller chercher général, du coup je ne me suis pas concentré sur le maillot à poids. Mais il y a un GPM, je voyais que je pouvais marquer quelques points, du coup j'ai fait les points. Et ça suffit. Ça suffit, donc c'est bien. La suite de la saison, on en parle rapidement. Bah, déjà je vais me concentrer sur le championnat de France samedi, et après, après on verra. Voilà, de belles choses qui t'attendent pour la suite de ta jeune carrière. On salue donc Aurélien Doléato, meilleur grimpeur ce soir du Tour d'Auvergne. Voilà donc Aurélien sur le podium. Et nous allons avoir un autre coureur de Chambéry, puisque nous allons avoir le classement par points. Et c'est Benoît Cosnefroy qui va venir nous rejoindre, lui qui a gagné le Tour du Rouennais au début du mois, qui sera professionnel le week-end prochain aux côtés de Romain Bardet dans la formation AG2R La Mondiale. Ah, il a un dernier objectif, bien entendu, c'est le championnat de France Espoir qui aura lieu samedi prochain. Voilà, on retrouve Benoît Cosnefroy sur le podium, vainqueur du classement par points. Il vit ses dernières heures, même ses dernières minutes avec le Chambéry Cyclisme Formation. Il y avait une pointe d'émotion ce matin au départ d'Orion. Il savait qu'il allait endosser pour la dernière fois de sa carrière ce beau maillot du Chambéry Cyclisme Formation. Lui qui, nous le disions, a brillé sur également les championnats d'Europe l'année dernière. Il avait pris une quatrième place, les couleurs de la ville de Rion. Monsieur Grenier qui était à nos côtés pour celui donc qui sera l'un des hommes à surveiller samedi sur les routes du championnat de France Espoir, et qui sera à domicile dimanche sur la Polynormande. On salue Benoît Cosnefroy, vainqueur du classement par points, et qui va nous donner ses impressions. Il a tenté sa chance, bien entendu, avec Florent Pereira dans ce final. Benoît, finalement, on se retrouve sur le podium, j'ai envie de dire une dernière fois, chez les amateurs. Tu as encore fait honneur à ce maillot de Chambéry Cyclisme Formation. Ouais, c'est ça, je voulais vraiment me faire plaisir en venant ici au Tour d'Auvergne pour mon dernier week-end avec le Chambéry Cyclisme Formation. Donc voilà, dès la première bosse, j'ai attaqué, voilà, j'ai voulu faire une course vraiment offensive et rien de regretter. Voilà, j'ai mis tout ce que je pouvais mettre sur la route aujourd'hui. Après, j'ai payé un peu dans le final, mais moi, je suis vraiment content parce que je pouvais pas faire plus aujourd'hui. Dernière chose, on en a parlé ce matin au départ, ça doit te filer les frissons quand même, parce que toi qui es originaire de la Normandie, tu vas débuter ta carrière professionnelle en Normandie, sur la Polynormande. J'ai envie de dire, la boucle est bouclée, mais rappelle-nous, dis-moi ce que tu me disais ce matin. Ouais, c'est ça, ma première course à la Polynormande en Coupe de France PMU. Donc c'est beaucoup d'émotions, parce que c'est la course professionnelle de par chez moi. J'y allais petit, aller chercher les bidons auprès des coureurs, donc voilà, là ça va être moi le coureur. Donc, ça va être beaucoup d'émotion d'être au départ de cette course. Et dernière chose, il y a Clément qui est pas là, ton directeur sportif. T'as passé quand même 3 années tout à fait exceptionnelles à Chambéry. C'est vraiment une bande de potes. T'avais quitté ta Normandie et t'as vécu 3 belles années. Ouais, complètement. Déjà, je suis très honoré d'avoir gagné la première Coupe de France du club l'année passée. Bon, on est en lice pour encore la gagner cette année, mais voilà, j'ai participé à la première victoire de Coupe de France du Chambéry Cyclisme de formation, donc je suis très content de ça. Après, il y a des grandes victoires comme Annemasse, voilà, c'est la première fois que le club de Chambéry gagne Annemasse, donc c'est la grande classique de par chez nous.
Voilà, il y a une histoire qui a été écrite et je suis content d'avoir écrite avec mes coéquipiers et mes copains. Ouais, et puis il y a le beau sourire ce soir, on te souhaite plein de belles choses. Tu diras, tu passeras voir Gérard Carbantou, c'est celui qui a formé Romain Bardet, que tu vas retrouver dans quelques jours maintenant. Voilà Benoît Costefroy, vainqueur du classement par points de ce Tour d'Auvergne. Nous allons maintenant accueillir les trois premiers du classement général. La troisième place pour Alexis Guérin, qui va nous rejoindre sur le podium. Voilà, troisième du Tour d'Auvergne. Il s'était révélé il y a 6 ans sur les routes de l'Allier à 5%. Troisième aujourd'hui du classement général. On salue Alexis Guérin, le coureur de Libourne, qui porte le maillot du Vélo Club de Rouen 76. Le deuxième va venir nous rejoindre sur l'avant du podium. Il porte le maillot du Sco Dijon. Adrien Guillonnet, deuxième du classement général ce soir. Deuxième de l'étape, bien entendu, une pointe de déception du côté du coureur dijonnais, mais qui a réalisé une sacrée étape. Ouais, on va se mettre dans le bon sens. Et vainqueur final de ce Tour d'Auvergne, nous accueillons le coureur natif de Colmar qui gagne l'étape et le général Fabien Schmitt, donc vainqueur final de ce Tour d'Auvergne 2017. Monsieur Perrolin, donc avec la peluche, est prêt à rentrer en action. Nous avons le maillot jaune de Lionel Chauvin, donc aux couleurs de la ville de Châtel-Guyon, pour le coureur de la formation Côte d'Armor, Marie Morin. Fabien Schmitt, on le disait, donc coureur âgé de 26 ans qui avait remporté au début de sa carrière Paris Tour Espoir, qui s'était distingué sur un Tour du Limousin où il avait pris une belle troisième place avec les professionnels et qui va remporter une belle victoire aujourd'hui, une de plus j'ai envie de dire, dans une saison pleine. Ah, il était classé je crois troisième du côté du classement amateur, il ne sera point loin de la première place ce soir. Voilà monsieur Perronin qui vient aux côtés du maillot jaune. On va juste avoir un mot d'Alexis Guérin et d'Adrien Guillonnet en attendant. Alexis, pas de regret, tu as tout tenté dans le final pour venir chercher la victoire. Sur l'étape en général, je savais que le maillot jaune avait une équipe assez fragile sur un parcours comme celui-ci. C'était difficile à contrôler, donc dès le départ, je dis les autres coureurs font la course, à moi aussi de faire la course, qu'on piège un peu du monde. Et toute la course, ça n'a pas arrêté de sortir. Avec Fabien, on a discuté un petit peu pour pas qu'on se fasse piéger quand même. Il fallait bien s'entendre entre costaud. Et sur le final, j'ai monté la bosse à mon allure, j'ai monté comme il fallait. On arrive avec Fabien et Guionnet et c'est le plus fort qu'a gagné aujourd'hui de toute manière. Alors, tu me disais tout à l'heure, j'espère ne pas revenir sur le Tour d'Auvergne parce que tu aspires à repasser professionnel. Mais Pierre Pouillat, avec le sourire, ce sera peut-être en continental l'an prochain, on croise les doigts, pourquoi pas. Donc là, tu reviendras. Avec plaisir, et pour gagner. Ouais, très bien, voilà, Alexis Guérin, troisième. Adrien, une pointe de déception, j'imagine, mais vous êtes fait la guerre entre costauds aujourd'hui, il n'y a pas grand-chose à regretter. Non, puis je commence à avoir l'habitude de faire deuxième. Oui, ouais, c'est une mauvaise habitude quand on se retrouve. Ouais, ouais. Non, mais j'essaie de faire la course d'entrée, je me suis retrouvé dans des échappées dès le départ, parce que je sentais que ça allait être assez... c'est le bazar dans l'étape, quand en haut de la première bosse, il n'y avait plus que Fred Brun autour de Victor Lafay. Et du coup, j'ai laissé pas mal d'énergie au début et j'ai eu un gros passage à vide. Toute la Croix Morand jusqu'au pied du dernier col, j'en ai bien bavé. Et puis, visiblement, tout le monde était cramé aussi à la fin. Et, du coup, j'ai fait mon ascension à mon rythme et ça a suffi pour se retrouver dedans. Oui, oui, une belle ascension. C'est vrai que tout le monde était à fond. Fabien Schmitt, le vainqueur. Vous faisiez partie. Attendez, regardez la peluche. Tu faisais partie des favoris. J'ai envie de dire, tu marches sur l'eau depuis maintenant plusieurs mois. Quelle victoire aujourd'hui. Insolente facilité dans la dernière ligne droite. Enfin, insolente facilité, non. Non, non, mais après, au sprint, je sais que j'ai quand même assez vite. J'ai le bon braquet pour aussi. Du coup, là, en faux plat descendant, vent de dos, c'était quand même plus facile. Puis j'avais pas grand chose à perdre parce qu'au classement général, j'étais quasiment sûr de gagner. Donc, tant mieux. Une saison 2017 exceptionnelle. Alexis aspire à repasser chez les professionnels. Est-ce qu'on y pense du côté de Fabien Schmitt? Parce que moi qui suis toute la saison amateur, tu as vraiment la moelle pour repasser chez les pros. Après, c'est mon âge qui me fait défaut quand même. Même si aujourd'hui c'est un avantage parce que j'ai pris de la caisse et que forcément j'arrive à mieux voir la course, je suis plus relax aussi, j'ai une vie qui a changé également, donc ça m'apporte quand même beaucoup de choses positives. C'est pas moi qui décide, hein, donc on verra bien. Allez, on croise les doigts parce que c'est vraiment mérité. On va retrouver trois beaux champions sur le podium de ce Tour d'Auvergne. On va demander à Aurélien Doléato et à Benoît Cosdefroy de revenir à l'avant, donc vainqueur final de ce Tour d'Auvergne, Fabien Schmitt, Côte d'Armor Cyclisme Marie Morin, deuxième, Adrien Guillonnet, du Sco Dijon, troisième place, Alexis Guérin,
pour le Vélo Club Rouen 76. Le meilleur grimpeur Aurélien Donéato qui revient à nos côtés. Le classement par points pour Benoît Costefroy. On va tendre un micro du côté de Pierre Pouillet qui doit être un président heureux et satisfait ce soir de ce Tour d'Auvergne. Pierre, on avait promis une belle journée de vélo. Et bien, ça a été au-delà de nos espérances. Saluons les 115 champions qui étaient présents cet après-midi. Ah, et puis une belle course qui a été toujours animée. Une montée du col de la Croix-Morand à la vitesse où il monte, je suis quand même relativement impressionné. Et puis ce qui m'a aussi très impressionné, c'est la descente sur Chamalières. Alors là, je crois qu'on va en garder un souvenir mémorable avec mes amis de l'organisation. Voilà. Un beau tour d'Auvergne. Comme d'habitude, j'ai envie de dire. Oui, j'ai envie de dire comme d'habitude, un beau tour d'Auvergne. Pierre, on parle de l'avenir, ça a été compliqué cette année. Mieux que ça, même. Tous les coureurs sont unanimes sur la qualité d'organisation, la qualité des parcours. Et si on allait voir plus haut? Pourquoi pas? J'ai même pensé que l'on pouvait y penser. Très bien, allez, on ménage le suspense. C'est tout ce qu'on souhaite à tous les bénévoles du Tour d'Auvergne. Vous pouvez vraiment les saluer également, parce qu'ils en ont bavé pour mettre cette épreuve sur pied. Alors, je ne vais pas tous les citer, à moins que Pierre le cite à ma place pour n'oublier personne. Mais hommage soit rendu à toute l'équipe de Pierre Pouillet. Alors, bien sûr, une ovation, et particulièrement à Gérard Cabantou, le monsieur qui a les lunettes, là. C'est lui qui a concocté les parcours. Alors, si vous avez des réclamations à faire, c'est le monsieur, là. Non, c'est un clin d'œil. Et puis, il y a Émile, là, au milieu, là. Alain, lui, il passe ses jours et ses nuits. Alors, applaudissez-le. Et je crois qu'il reste deux bouquets. Alors, ces deux bouquets, je voudrais qu'on honore deux personnes. La première, c'est Mathilde Dupré. Je ne sais pas où elle est, Mathilde, mais... Mathilde ? Je ne sais pas où elle est. Mathilde ? Mathilde ? Elle est partie, Mathilde ? Et puis l'autre bouquet, on va le faire remettre par Camille, va le donner à Émile Labbaye, c'est pour son épouse. Parce que je pense qu'elle supporte beaucoup, beaucoup de choses. Mathilde. Voilà. Allez, va remettre le maillot à Mathilde. Le bouquet à Mathilde. Voilà, je vous remercie tous et toutes. La radio m'appelle, alors j'y vais. Et à l'année prochaine. Et bravo à tous, messieurs les coureurs, de votre participation active et sportive.